Nous sommes le 31 août. Ceci sera sans doute l'avant-dernière présentation des tomates. Je vais vous présenter une nouvelle tomate qui se trouve dans mon bac numéro 2 et qui est la Golden Jubilee. Elle est relativement ferme, orange. Donc je vais en cueillir une. Voilà ce que ça donne. Donc elle est vraiment ferme. Donc bon, il y a une petite tache là. Donc le pied est vraiment petit. Il doit faire, 1 mètre, 1 mètre 10 maximum. Donc ça monte pas très haut. C'est assez tardif quand même. Donc il y a d'autres tomates qui sont en train de mûrir là. C'est pas extrêmement productif, enfin, je trouve, comparé aux autres pieds qui m'ont donné des tomates. Autre variété de tomates que je voudrais vous présenter, c'est la Burpee Delicious. Donc un plant de tomate qui est relativement petit. Il fait, je dirais, dans les 1m20 maximum. Alors, j'ai peu de tomates mûres. En fait, j'en ai qu'une seule qui est mûre et elle est relativement déformée. Donc, je vais quand même la tester pour le goût. Par contre, je ne récupérerai pas les graines sur celle-ci. Je récupérerai les graines sur les autres qui ont un format un petit peu plus standard. Donc, ils sont assez gros, celles aussi, mais pas aussi grosses que celle-ci. Donc, aujourd'hui, on ne testera que le goût. Voilà, donc je voulais vous montrer la taille de la tomate qui a l'air vraiment très grosse. Hein, vraiment, elle a l'air assez lourde. Donc, je pense qu'on doit être proche du kilo. Mais bon, elle est vraiment pas jolie. Elle a une tête toute bizarre. Et donc, ici, on en a vraiment des beaucoup plus jolies. Notamment celle-ci ou celle-ci encore, qui sont quand même assez grosses, mais quand même avec un aspect un peu plus conventionnel. Donc je récupérerai les graines sur ces tomates là. Une autre tomate que j'ai failli oublier de vous présenter, c'est la tomate Chocolate Cherry. Je l'avais prise pour la tomate Black Cherry que j'ai déjà testée dans une autre présentation. Donc je vous montre le pied. Donc le pied n'est pas très grand, donc il n'est pas trop attaché non plus, mais même si je l'attachais, je serais à 1m20 je pense. Donc c'est un pied qui est assez compact, il n'y a pas énormément de tomates cerises dessus. Et de ce côté, en fait, les pieds de tomates, je les ai plantés extrêmement tard. Donc ils n'ont pas forcément eu le temps non plus pour se développer correctement. En tout cas pas autant de temps que les autres. Je voulais vous montrer aussi le coqueret du Pérou. Donc, alors c'est une plante que j'ai achetée en jardinerie. Je vous montre un petit peu. Donc, comme vous voyez, il y a les fruits dessus. Les coques de protection là sont bien sèches. Donc, apparemment, c'est le moment pour les récolter. Donc, j'en ai goûté. Alors, moi, je trouve ça assez bon. Il faut vraiment tester pour savoir si on aime ça. Donc, voilà le fruit avec sa coque. Et une fois qu'on a enlevé la coque, je trouve le goût agréable. Donc bon, il faut tester, hein. Je pense que c'est vraiment c'est pas un goût qu'on a l'habitude de savourer. Donc je vais l'ajouter aussi à ma liste, hein, si ça intéresse quelqu'un. Donc le pied lui-même, vous voyez, c'est pas extrêmement grand, ça doit faire un peu plus d'un mètre, hein, je dirais 1m20 les maximum. Pour ceux qui sont voilà, qui sont pas super bien attachés, ben, c'est pas évident à attacher non plus, hein, je trouve. C'est pas pratique. Il y a beaucoup de branches qui partent un peu dans tous les sens. Je pense que ça doit pouvoir se conserver quelques temps à tester. Hein. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas du tout le temps pendant lequel on peut garder les fruits. La tomate que je vais vous présenter, c'est la Cream Sausage. Donc elle est très tardive en fait à mûrir. Elle reste ferme. Donc voilà, j'en ai cueilli une ici. Donc elle est assez sensible au pied noir là. Il y en a beaucoup qui sont touchés, plus ou moins légèrement. Voilà, vous voyez. Le pied n'est pas très grand. Il doit faire, allez, même s'il n'est pas super attaché, il doit faire 1m20. Donc c'est assez compact. Bon, il y a quelques tomates dessus. Autre tomate que je vais vous présenter, en fait c'est une tomate que je n'avais pas prévu de faire cette année et qui est un semi-spontané. Donc c'est une tomate que j'avais faite l'année dernière qui s'appelle la Green Envy.
donc qui donne des petites tomates cerises vertes, donc qui donne vraiment beaucoup, hein. Vraiment ça donne pas mal. Donc c'est sympa parce que comme j'ai perdu des variétés, ben, en fait j'en retrouve une, et je crois que j'ai en réalité 3 pieds de Green Envy qui ont repoussé spontanément. Donc je vous montre un petit peu, donc bien sûr les tomates qui poussent, donc il y en a vraiment pas mal. Et ça monte à peu près à 1,60 m, je dirais. Donc, une nouvelle variété de tomates que je voulais vous montrer, et qui s'appelle Green Sausage. Alors, qui veut dire saucisse verte. Alors, un problème, en fait, je pense, sur cette variété, c'est qu'elle n'est pas verte, elle est rouge. Donc, vous voyez, alors la forme ressemble à la Green Sausage, sauf qu'elle est rouge. Et comme j'en ai jamais fait avant, je pense que... j'ai pas fait d'erreur au niveau de l'identification parce que je me rappelle pas avoir commandé d'autres tomates qui avaient cette forme là. Donc visiblement il y a eu un problème sur le sachet qu'on m'a fourni qui était bien identifié Green Sausage mais en réalité qui était autre chose. Donc je vais essayer de me rapprocher de l'endroit où j'ai acheté ces graines. Bon alors elle est peut-être bonne, hein. Le problème c'est que je sais pas ce que c'est. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous savent en fait ce que pourrait être cette tomate. Donc vous voyez, elle doit faire à peu près 7 à 8 cm de haut là, sur je dirais 4 cm de diamètre à peu près, plutôt aplati. Donc c'est pas rond, hein, c'est bon, j'avais des cornues, mais ça c'est pas du tout ça, donc j'ai pas pu me tromper moi. Au niveau de mes semis, donc bon, alors c'est une tomate qui donne plutôt pas mal, hein, quand même, malgré tout. Elle est quand même assez tardive parce que là, je la récolte à peine et elle est aussi sensible au cul noir, vous voyez. Donc, bon, alors je sais pas ce que c'est, franchement, c'est étonnant. Là, j'en ai encore une, donc voilà, ça fait. Des jolies tomates, mais le problème c'est que c'est pas du tout ce que j'ai commandé, donc bon, c'est toujours un peu dommage de se retrouver dans ce genre de situation. Donc je vous montre une des tomates que j'aimerais récolter avant de la fin de la saison. Donc celle-ci c'est la Gardener's Delight, donc je l'avais déjà fait il y a quelques années. Ce pied a été atteint par la maladie du pied noir, donc en fait c'est une bouture en fait que j'avais replantée, donc qui a bien pris, hein, parce que bon elle est petite mais il y a toujours quelques petites tomates dessus. D'ailleurs je vous montrerai, en fait j'ai pas pu tout replanter. Et certaines boutures sont restées en pot et malgré tout elles ont continué à pousser. Donc je vous montrerai ça après. Donc un petit clin d'œil à Hamid, un ami potagiste marocain de Casablanca. Donc voilà, en fait, comme tu peux voir, il me restait des boutures en fait de plantes tomates qui ont été atteintes par la maladie du pied noir. Et donc j'en ai replanté une partie en terre, mais en fait j'avais plus de place, donc j'ai laissé les dernières boutures en pot et ça a continué de pousser quand même. Donc en fait ici à gauche c'est de la tomate de Berao. Donc on voit quand même qu'il y a des tomates bon, qui sont vertes bien sûr, mais qui sont quand même qui continuent de pousser. D'ailleurs je vous ai montré juste avant la tomate Gardener's Delight, voyez. Celle-ci, elle est encore plus jolie en fait en pot que celle que j'ai dans mon bac. Alors, par contre, le vert est moins intense, donc je pense que le pot est un peu petit. Donc, bon, je ne sais pas si je vais réussir à obtenir quelque chose là-dessus, mais on verra bien. Et là, encore une bouture que j'ai remis dans un autre pot, donc on va voir ce que ça donne. La tomate que j'attends toujours de récolter, c'est la tomate artisan Lucky Tiger. Donc, vous voyez, ça donne des tomates... pointu comme ça. Alors j'en ai une là, bon, qui est abîmée par contre, donc ça devrait pas tarder, mais bon elles sont pas encore prêtes. Donc là ici j'ai la tomate Atoll. Alors le pied est vraiment très petit, alors j'ai 3 tomates dessus, il est vraiment pas super beau. Alors, on va voir, mais je vais voir si je récupère celle là elle est un peu ferme pour l'instant, elle commence à prendre de la couleur, mais elle est vraiment pas, le pied est vraiment pas terrible, donc je vais voir si je récupère les graines là-dessus ou pas.
Nous sommes dans la cuisine. Il s'est passé à peu près 5 jours entre le moment où j'ai fait le ramassage des tomates et cette présentation dans la cuisine. Donc j'ai renouvelé certaines tomates qui à l'origine étaient déjà très mûres, n'étaient plus consommables. C'est pour ça que par exemple cette tomate, ce n'est plus du tout la tomate complètement déformée que je vous avais montrée lors du ramassage. Donc j'ai pu obtenir une tomate de plus belle forme, donc ceci explique cela. Voilà, donc on commence par la première tomate qui est la Golden Jubilee, donc une couleur orange assez terne, mais qui est quand même une belle tomate. Ensuite, donc la Burpee Delicious, donc belle tomate rouge. Donc voilà. Ensuite, la tomate chocolat cherry, donc un marron assez éclatant. Ensuite, la cream sausage, donc une tomate blanche. J'espère que ça rendra bien à l'écran, mais la tomate est relativement blanche, donc blanche ou jaune très pâle en fait. Donc ensuite, on passe sur la tomate Green Envy, donc qui est une tomate que j'ai obtenue par semis spontané. C'est une tomate que j'avais déjà appréciée l'année dernière, mais je vais pouvoir la goûter à nouveau pour la comparer par rapport à mes autres tomates de cette année. Ensuite, la tomate que j'avais semée et qui normalement devait être une Green Sausage. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout une Green Sausage, mais je vais quand même la goûter pour voir, parce qu'elle a quand même une belle forme, une belle couleur, donc je la trouve plutôt jolie. Alors, je me demande en fait si ça ne serait pas une tomate type San Marzano. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui seraient capables de la reconnaître, mais d'après la forme, en fait, ça me ferait penser vraiment à une tomate San Marzano. Donc au pire, voilà, je referai l'année prochaine la Green Sausage pour voir si c'est bien les graines qui sont qui posent problème. Alors il y a peut-être eu une graine dans le lot qui n'était pas la bonne, celle que j'ai utilisée. Je ne sais pas. Donc voilà, donc je la retesterai l'année prochaine. Et j'ai quand même ramassé en fait quelque chose qui n'a rien à voir avec les tomates, mais pour ceux que ça intéresse. Des coquerets du Pérou. Donc en fait, alors je ne sais pas du tout combien il y a de graines à l'intérieur, mais je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes. Et vu ce que j'ai, je pense que je devrais pouvoir en récupérer suffisamment pour si ça intéresse d'autres personnes. Voilà. Donc on va passer maintenant à la première tomate, la Golden Jubilee. Je vais commencer par mesurer la tomate en diamètre. Donc elle fait 6,8, 6,9 à peu près. Et en hauteur, elle fait 5,8. Donc maintenant, je vais la peser. Donc elle fait 167 grammes. Donc le poids moyen est de 180 à 210 grammes. Donc on n'est quand même pas très loin. Donc j'estime que c'est correct. Donc maintenant je vais la couper. Voilà, donc c'est une tomate très juteuse. Voilà, ça a coulé le long de l'assiette. Donc voilà, l'intérieur est intéressant. Un dégradé d'orange en fait. Un orange plus foncé sur les côtés et plus clair au centre. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Maintenant sur la Burpee Delicious, donc je vais la mesurer. Je dirais qu'elle fait à peu près 12,6 sur à peu près 8 cm. Je vais la peser, donc elle fait 687 grammes. Le poids moyen est annoncé de 200 à 1,5 kg. On est bien dans la fourchette, pas de souci. Donc maintenant je vais la couper. Donc.
Voilà, donc grosse tomate rouge, beaucoup de graines apparemment. Donc très juteuse. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Voilà, donc on passe maintenant à la chocolate cherry. Alors je vais la mesurer. Donc elle fait 3 cm à peu près, 3,2 sur 2,9 à peu près. Maintenant je vais la peser. Donc elle fait entre 17 grammes, 15 grammes. Bon, voilà, c'est à peu près aux alentours de 15 grammes. Donc le poids moyen est de 15 à 30 grammes. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, je vais la couper. Voilà. Très juteuse. Donc une tomate très juteuse. Voilà, un joli marron à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. On passe maintenant à la cream sausage. Donc je vais la mesurer en diamètre. Elle fait 4,5 et en hauteur 6,1. Donc maintenant je vais la peser. Elle fait 69 grammes. Le poids moyen est de 80 à 110 grammes, donc on est vraiment pas loin. Là, elle est remontée. Bon, voilà, c'est la balance n'est pas super précise. Donc, on est aux alentours de 70 grammes, donc c'est plutôt correct. Voilà, donc maintenant je vais la couper. Donc, encore une tomate très juteuse, donc avec pas mal de graines à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. Maintenant à la Green Envy, donc que je vais mesurer en diamètre, qui fait 2,9 à peu près sur 3,9, 4 cm de hauteur. Donc maintenant je vais la peser. 17 grammes, 20 grammes, 17 grammes. Le poids moyen est entre 11 et 30 grammes. Donc on est plutôt pas mal. Donc maintenant je vais la couper. Alors une tomate très juteuse. Voilà. Donc un peu de graines, il n'y en a pas tant que ça. Un beau vert en fait, je trouve vraiment. C'est vraiment joli à l'intérieur. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. On va passer à la tomate qui devait être une Green Sausage, mais que je pense être une San Marzano. Donc, je vais la mesurer sur le côté le plus large. Elle fait 6 cm à peu près sur à peu près 10 cm. Donc maintenant, je vais la peser. Donc elle fait 126 grammes. 88 grammes et 108 grammes. Donc la San Marzano a un poids qui est compris entre 100 et 150 grammes. Donc ça pourrait correspondre. Maintenant, je vais la couper. Voilà ce qu'on obtient dans la longueur. Et je vais la couper dans l'autre sens. Voilà ce qu'on obtient quand on la coupe dans ce sens. Donc maintenant, je récupère les graines et je vous reprends après. Comme d'habitude, j'ai classé les tomates par ordre de mes préférences, donc de la meilleure vers la moins bonne. Donc les deux premières tomates que j'ai le plus appréciées sur cette série, ce sont la Chocolate Cherry et la Green Envy. Donc la Chocolate Cherry, donc, tout comme la Green Envy, sont des tomates juteuses, sucrées et douces. Avec une petite préférence quand même pour la Chocolate Cherry qui a vraiment un goût vraiment excellent. La Green Envy est aussi une tomate cerise très bonne et surtout très intéressante par sa couleur, donc, qui est assez originale. Ensuite, on a la Golden Jubilee, donc, qui est une tomate juteuse, peu sucrée, elle n'est pas douce, elle est plutôt neutre, avec une pointe d'acidité, donc elle est assez ferme, donc c'est assez intéressant en salade.
Il y a beaucoup de graines dedans. Donc voilà, je vous la recommande aussi pour les salades. Ça reste quand même une bonne tomate. Ensuite, on a la Burpee Delicious, donc qui est juteuse, légèrement sucrée, douce. Je pense qu'elle serait plus adaptée à une tomate farcie ou alors au four cuite plutôt que crue. Donc ensuite, donc la Cream Sausage, c'est une tomate juteuse, très légèrement sucrée. Elle est plutôt acide, elle est légèrement farineuse, donc je trouve que le côté farineux est plutôt rédhibitoire pour moi. Donc ensuite, je termine par la tomate en fait dont je ne connais pas le nom, donc que j'ai appelé pas la Green Sausage, sans doute une San Marzano, c'est possible. Donc elle n'est pas juteuse, elle n'est pas sucrée, elle n'est pas douce, elle est vraiment assez acide. C'est une tomate quand même qui est vraiment très ferme. Donc voilà, c'est pas vraiment le type de tomate que je préfère. Donc voilà, mais j'ai quand même récupéré les graines si ça intéresse quelqu'un. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire afin de vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos. À bientôt.